Bienvenue dans Influence Plateforme côté quoi pour apprendre en pile bagaille sur l'argent. Business qu'on réaliser rêve vous et puis venir monde au ta remayer des meilleurs. Dans vidéo aujourd'hui, moi viens parler ensemble avec nous. Moi viens parler nous de précaution nous doit prendre avec banque parce que yes, banque poil tomber. C'est ça en pile monde penser, c'est ça en pile monde dit. Nous allons analyser si réellement banque gain chance pour tomber. Ou bien c'est juste moun qui a pensé, qui a parlé, qui a imaginé certaines choses. Ça est important pour nous garder vidéo ça, partager vidéo ça avec 11 amis nous, 11 familles nous, c'est important pour nous capable d'entendre tout ça qui va le dire là, concept que moi va utiliser là, super important pour nous capable comprendre. Moi viens parler nous des sujets ça parce que nous connaissons, mais parler de l'argent, moi veux parler nous de l'économie et grand pile moun qui pensait que tout l'argent ou dans la banque. Actuellement là dans le monde là, question banque vient tellement ouvert, question banque vient tellement facile que y a un monde avec téléphone li ka gen accès avec toute banque. Yes, on simple téléphone ou gen accès avec banque. Par exemple, ici là gen plusieurs carnets que moi gagne ou j'ai noué les carnets qui pa rele carnet parce que pa gon carnet vrai. Gen plusieurs comptes en banque que moi gagne côté que banque yo pa gen un local côté que ou ka aller dans banque là pour parler avec moun yo. C'est juste des banques qui complètement virtuelles. Donc ou pas gagne des frais pour payer parce que banque ça au virtuel ou pas gagne pour payer et utilisation de carte là ou pas gagne pour payer rien parce que yo pas gon local yo pas gagne série de dépenses que yo fait pour yo capable qu'un bon local. Donc jouet game nan vinn virer dans secteur banque là mais par contre gagne pile banque qui reste dans le temps qui était traditionnel qui était avec même système là qui était avec même gros dépenses yo vinn porter pour client yo. Il y a pays côté que l'on mettait comme la banque au payo mais ici là par exemple on mettait comme la banque c'est au perdu il faut payer au maintenance comme si pour kembe comme la ou bien que comme moi c'est lié pour l'utiliser pour capable plus riche. Donc c'est pour ça en pile monde pas choisi utiliser banque traditionnelle ça ou encore yo passer à banque virtuelle. Donc banque yo gagne un côté que au perdu parce que au perdu en pile monde qui pas intéressé avec ça pour frioa parce que yo dépenser plus. Moi gagne une banque traditionnelle chaque mois moi paye pour lui pour me capable gagne carnet hein. Par contre les moi gagne banque dans virtuel là moi pas paye rien. Au contraire virtuel là bam intérêt pour chaque mois moi mettre. Virtuel là compte bam jusqu'à 150% par année des quantités comme moi gagne là-dedans. Yes. Par exemple gagne banque qui les prex gagne banque qui les prex là c'est qui bail plus les mental uruguayen nous démontre nous que c'est là dans nous te fait un compte uruguay li bail plus on comme un banque virtuelle qui pas exister en local pour lui. OK, de vous faire banque là ou tout gagne accès avec vous commencer à utiliser ou pas besoin carte ou pas besoin rien parce que tout bagaille fonctionner en transfert. OK, donc game nan vient changer alors que dans pays États-Unis jeudi a gagne n'importe 79 000 bureaux banque qui existait. C'est des dépenses que a fait que c'est des dépenses que moun qui gagne carnet dans compte dans banque ça yo gagne pour yo payer pour yo capable kembe bureau ça yo et chiffre ça son petit chiffre qui minime parce que avant la grande dépression qui était passé États-Unis t'ai gagné n'importe 25 000 banques qui t'ai existé alors que qu'on y a là gagne seulement 4500 plus ou moins qui existait et côté qui positif dans banque traditionnelle là qui pas seulement bagaille qui négatif parce que moun qui gagne carnet ou bien qui gagne compte dans banque ça yo senti plus safe, je sentir au pied à l'aise que au bon côté au cas aller puis au capable poser question au côté au cas aller puis au capable dire mais qui ça a besoin mon yo bon moun yo capable ensemble avec lui pas seulement au téléphone c'est pas seulement on me voit dans yon téléphone ou bien un message écrit mon sentir au pied bien sentir au pied à l'aise bien que ça ou les pied à l'aise là dans pile pays nous pas considérer comme pied à l'aise parce que gain histoire qui était passé en Argentine en 2001 côté que banque traditionnelle yo t'ai perdu toute l'argent tout le monde ya pour ça parce que yo t'a essayé kembe yon dollar en peso pour te faire prix en dollar en peso arrêté même gens alors que dans marché international là prix peso argentin pas niveau en dollar vrai il était moins que 1 dollar donc yo t'ai capable faire ça yo t'ai prendre tout l'argent monde dans banque yo t'a appelé des investir yo refaire l'argent imprimer l'argent investir dans différents l'autre bagaille quitter des mauvaises inversions so en pile monde perdi en pile l'argent des monde qui t'ai gagné qui t'ai vendre appartement yo puis t'ai parti les vendre appartement en peso imagine ou t'ai gagné en peso vendre $1 en peso t'ai $1 ou vendre un appartement pour $100,000 OK yo boli en peso $100,000 et puis un jour on est dormi en demain on entendait que la grande dépression arrivait en Argentine. Tout le monde perdit l'argent, yo banque pas ka bay moun yo l'argent. Sou te gen $100,000 la banque la di il va ka bo même un dollar la dan, même un peso. Et puis tout d'un coup, l'autre semaine ou tande yon peso vin yon dollar vin égal à 100 pesos par exemple. Mais l'el pa trive gros c'est ça.
$1 vin égal à 100 pesos par exemple. Donc comme vous divisez par 100, nous imaginez nous on monde qui te vendre caille pour 100 000 pesos qui vient jeune caille là coûter seulement 10 000 pesos. $10,000. Nous pouvons imaginer qui s'est passé dans le pays. Si nous avons même fait une analyse et détaillé pour nous de ce qui s'est passé dans la Grande Dépression en Argentine en 2001, nous avons fait ça pour nous. C'est une histoire qui est très intéressante. C'est une histoire qui fait que moi pas quoi investir toute l'argent dans la banque, mettre la banque, ni investir toute l'argent dans terre ou bien dans un seul pays. Moi pas quoi dans ça parce que l'histoire 2001 en Argentine a enseigné un peu de bagaille. Donc si m'a fait série d'investissements, m'a fait des investissements que moi capable vendre plus facile, des investissements que moi capable contrôler. Ça c'est l'autre histoire là. Mais il y a un côté qui négatif tout. Côté qui négatif dans question gain banque et traditionnelle là, c'est que on imagine si système ça tomber ou perdre toute sorte de gain. Même genre avec genre ça arrivé en Argentine. Est-ce qu'on doit prendre tout comme pour fouiller en bas matelas? Non, pas dit ça. Il semble que banque ça a tellement prend commission sur, il prend commission parce que utiliser carte là, il prend commission parce que gain compte là dans main yo. Sous pas le prend comme là dans banque pas ou pas prendre l'autre banque, yo bon limite mais quantité au carré retiré. Donc yo vraiment limité. Par contre actuellement là, il y a crypto-monnaie qui ont des gens différents. Dans crypto-monnaie, mon ne doit faire virement quantité l'argent que vous voulez. Mon pas même car connaît c'est les cafés parce que il fonctionne en total anonyme. Il y a monde actuellement là qui a essayé sortir dans système banque traditionnel là. Donc ils ont investi dans la question crypto-monnaie pour éviter ni banque virtuelle ni banque traditionnelle parce que toujours quoi depuis c'est un monde qui gagne contrôle l'argent l'a investi li investi mal parce que en pile banque fait monde perdre l'argent dans le sens que les ont investi li investi mal bien que majorité banque yo gon assurance qui que yo gagne ensemble avec l'état ou bien avec n'importe nation que selon quantité qu'on vous gagne il a pris mettre jusqu'à en limite gagne pays qui gagne différentes limites États-Unis gagne jusqu'à $250,000 que sous gagne en banque yo prend il a pris mettre les sous bon million a pris mettre 250 parce que ou gagne limite seulement $250,000 qui a pris mettre ça pas empêcher que banque fait série d'inventions inversion qui pas bon les inversions ça pas bon il pas fonctionner voir un bénéfice yo perdi toute l'argent là l'état pas capable mettre tout le monde quantité l'argent yo te gagne dans banque là donc ça sont bagaille qui mandé pour nous réfléchir qui mandé pour nous contrôler est-ce que ça va faire nous peur pour nous courir retirer l'argent nous et non nous pas courir peur retirer l'argent nous dans banque est-ce que banque va disparaître pas quoi banque va disparaître ou du moins pour l'instant banque pas disparaître même là tout ça t'est passé en Argentine j'ai expliqué nous en 2001 banque yo recommencé même genre tout bagarre reprendre dans l'olio l'état payer moun yo ça ou te doit payer yo pour assurance yo et puis tout bagarre reprend normal yo est-ce que y a moun qui perdit en pile oui c'est j'aime dire nous limite là États-Unis 250,000 sous tes 1 million donc y a vous mettre seulement 250,000 ou perdre reste là même genre en Argentine ça aurait mettre moun yo en peso li vin tellement perdre valeur parce que pas bien ou te gen 1 peso 1 dollar qu'on y a ou vin gen 1 dollar non c'est quoi nto peso donc moun ça ou vin perdit tout kobyo a kobyo vin converti en un taux qui vraiment bas. Et est-ce que banque là disparaît? Non. Est-ce que mon en Argentine refait banque confiance? Même mon ça que qui te suivre la grande dépression, qui te vivre la grande dépression en 2001. Moi poser même mon ça qui gain compte dans banque là, c'est même mon ça qui continue mettre comme la banque. Moi son bagage pas comprendre, si me dépasse non bagage comme ça, me pas jamais faire. C'est même chose ça qui t'est passé en Haïti qui te gain coopérative, en bel monde perdre l'argent. Mais bien intérêt on ti jambel faut que poser tête aux questions compte comme ça fait c'est comme pa youn yo prend ou ba l'autre comme pa l'autre là yo prend ou ba l'autre donc pas gagne inversion qu'a fait en pile banque fonctionner comme ça avec menti ça côté que yo utiliser corps pour capable faire en pile l'autre l'argent et puis ou même au lieu que yo paye pour ça c'est comme yo faut ba pour yo soi-disant que yo a kembe compte là pour yo gérer l'argent pour et semble et tout lorsque on compte en banque ou qu'on a via le faire mail yo dit ou te fait créer ou pas faire mail parce que faut que t'as 6 mois yo. Donc est-ce que ça veut dire que toute banque va tomber? Moi quand dis nous non pas forcément banque pas disparaître ou du moins non et on a vu ça là pour qu'on y a non peut-être petite non capable où les banques pas existent encore et banque traditionnelle mais pour l'instant c'est comme ça ça est. Bah conseiller au monde mettez tout à avoir la banque ou toujours une quantité pour capable vivre même toujours conseiller au monde mettez l'argent dans bien plutôt parce que même les saisons ça là est bien yo gen doit pas ka vivre parce que bien ou gen doit pas ka vendre parce que pays en crise petit tout avant yo quand même petit tout avant yo quand même parce que pays a bon les living bon quand même à menos que son pays qui est Haïti
C'est ça l'Haïti m'bagadou. Yo, Haïti pral bon la chez bien Haïti parce que m'ba ouais, écoute, bon en bralé. Mais un pays qui est industrialisé, un pays qui est développé. Même j'en s'était passé en 2001, il y a une crise, pays a devenu stable, qu'on y a pays a la crise encore, il pral stable encore. Donc, on moun ki gon bien là, qu'attendre les pays a bon, les grandes dépressions passées, bien que nous pas une grande dépression ici, et puis qu'on y a capable à le vendre bien qu'on te gagne. Donc, c'est ça m'te voté pour nous dans la vidéo aujourd'hui. Hein. J'espère que vous avez enjoyé. N'oubliez pas d'abonner avec la chaîne là. Si vous avez déjà fait ça, je vous fais un gros bisou pour nous. N'abonnez pas dans l'autre vidéo. Bye! Hasta luego!